Mel's birthday, and so the French students kind of came in. This is kind of a thing that we all read, and it's like a really, really fond memory that we have from French learning experiences at this school. And it was a big part of, you know, Mel's enthusiasm. So it's a poem about a fox and a raven and a tree that basically just means don't be fooled by flattery. So, you know, here we go. Maître Corbeau sur un arbre caché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard parlera léché, lui tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur de Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour monter sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et lui dit, mon bon monsieur, apprenez que tu flatteur, vieux réponse de celui qui écoute. Cette leçon vaut bien un hommage sans doute. Le corbeau en se est conclu, jura et un peu tard, quand ne lui rendrait plus. Have a good lunch.